lève en verre pour célébrer avec tous ceux qui donnent la force. Il est l'un des rares artistes de la musique urbaine congolaise qui ne se plonge pas dans des conflits ni dans les polémiques stériles pour se faire remarquer ou pour exporter sa musique. Lui, c'est Wayé, le pacificateur. Il a su inscrire le nom du Congo avec brio sur la liste du prestigieux prix RFI Découverte 2020 avec l'emblématique titre Mbokoyo, lequel titre place les mots sur les mots qui fragilisent notre société. Ce talentueux et brillant rappeur ayant une direction artistique percutante et une personnalité de grands esprits évoque souvent dans ses différents titres des faits de société pour réveiller la conscience collective. Humble et rassembleur, le pacificateur Wayé s'est aussi associé les doyens de la musique congolaise dans ses chansons. Ainsi, il a revisité à sa sauce le légendaire titre sous l'art de Zao Kazimir, L'Inoxydable. Tous les mondes m'appellent Soulard, moi je ne suis pas Soulard. Moi y'a un copain, moi je ne peux provoquer personne. La vodka me fait planer, je n'écoute personne. Wayé fait aussi partie de ces rares artistes urbains congolais inscrits sur le catalogue de ceux qui ont, entre leurs mains, le secret de la scène en version 100% live. 100% d'Africain, le beurre de carité, convaincu qu'on va percer en se passant de vulgarité. On veut monter en grade, gagner en galant. Je serai né au Bénin, on m'appellerait Patrice de tout ce talent. Yeah. Et tu es animé par le désir profond de réussir. Rêver, croire et réaliser, c'est ça ma devise. Yeah.